Bienvenue. Moi, je m'appelle Christian Lopez. Je travaille au CTDS, c'est-à-dire au Centre de traitement des documents sécurisés, à Nantes, donc, où je suis en poste depuis 2 mois, arrivé le 1er septembre. Alors, j'ai donc passé le concours de catégorie C, agent administratif, en 1993. Donc, voilà, je suis à l'entrée du bureau qui m'a été attribué, mon bureau. Voilà. Donc, ici, c'est le bureau de ma collègue. Et voilà, donc c'est assez simple. Mais un bureau bien ensoleillé et qui est malgré tout sympathique. C'est pas vraiment un meilleur moment, c'est un moment assez tendu. C'est quand il y a eu 9-11, puisque là j'étais aux États-Unis à ce moment-là. Et en fait, j'étais en congé quand ça s'est passé. Et je me souviens, j'étais dans un motel le jour où c'est arrivé. Et je me souviens de quand on est arrivé avec mon épouse, dans la salle où on prenait le petit déjeuner dans le motel, où on avait eu un silence de mort. Quand on est arrivé, ce qui n'est pas usuel aux États-Unis, où les gens font grand bruit quand ils déjeunent, toutes les têtes étaient tournées vers le téléviseur. Ça, c'est une image qui m'a marqué, qui est restée dans ma mémoire. Ouais. Je n'ai pas d'objet du quotidien, d'abord parce que je n'ai investi ce bureau que depuis 2 mois, et puis je ne suis pas à ce point matérialiste que j'ai besoin d'un objet. Qui représente quelque chose de particulier pour moi. Encore une fois, mes objets, c'est mon ordinateur, mon fauteuil roulant, et voilà, le reste est à la communauté.